Hello, here we are in the Cartier Manufacture in La Chaux-de-Fonds to finish our saga about Minute Repeater. Today we are gonna speak about the sound in the Minute Repeater, and we are gonna ask Madame Carole Forestier, Head of Development at the Manufacture, about the mysteries of the sound in Minute Repeaters. So, let's go. Quand on parle d'abord de son, il faut bien aussi comprendre qu'un son, c'est d'abord une vibration. Et cette vibration donne un effet sonore à nos oreilles. Et ce son, on va pouvoir le qualifier en quatre grands chapitres. L'intensité avec laquelle il va parvenir à nos oreilles, la tonalité, regardez quelles notes de musique on joue, par exemple, tout ce qui est phénomène de durée, c'est-à-dire combien de temps ce son dure, et à quelle vitesse il va s'amortir. Et puis le quatrième phénomène, c'est son timbre, c'est-à-dire qu'on va regarder quelle est la courbe de fréquence de sa vibration et quelle sous-fréquence l'alimente. Tout d'abord, il va falloir simuler, mettre en calcul les différents éléments dans le mouvement qui vont générer ce son. Tout ça, on va le vérifier par ce qu'on appelle des prototypes partiels, c'est-à-dire qu'on va prototyper un timbre et un marteau qui frappe dessus, de façon à caler les éléments de simulation. On a besoin de ce calage entre la simulation et la réalité, de façon à caler caler le modèle mathématique de simulation. Une fois qu'on a calé le modèle, on peut affiner la simulation et puis ensuite prototyper la montre définitive, on va dire. Le facteur le plus facile à saisir et le plus connu, c'est ce qu'on appelle l'intensité. Donc c'est la force avec laquelle on va entendre ce son. C'est un élément qu'on peut mesurer avec une échelle qu'on appelle les décibels. Particularité de cette échelle, c'est qu'elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que quand on double le nombre de décibels, on ne double pas l'intensité, la sensation perçue à l'oreille. Et il y a un autre facteur aussi, si je cumule deux sons qui ont chacun 15 décibels, je ne vais pas entendre à mon oreille 30 décibels. Les éléments déterminants qu'on va chercher à faire, bien évidemment, ça va être d'avoir une pièce qui a une puissance sonore élevée, de façon à ce qu'elle soit facilement audible. Mais il faut également respecter les trois autres paramètres qui composent le son. Parce que la qualité, l'harmonique, le son agréable à l'oreille est tout aussi important que son intensité. Pour faire en sorte qu'une montre à sonnerie ait la plus forte intensité, c'est tout d'abord l'élément principal qui va vibrer, c'est-à-dire le timbre. On va pouvoir travailler et sa forme et sa dureté. Si je vais utiliser par exemple un boîtier avec un métal qui a une forte densité comme l'or ou le platine, eh bien, ce rapport va être défavorable. Par contre, si j'utilise pour le même mouvement, le même boîtier, une matière comme le titane, où là, la masse est très faible, je vais transmettre plus de vibrations. Plus l'élément que je veux faire vibrer est lourd, et moins je vais l'entendre, parce que moins il sera facile à faire vibrer. Voilà. Parce que le but de tout ça, c'est de faire rentrer finalement en vibration, en définitive, la montre complète. Et c'est ces vibrations de la montre qui vont arriver à nos oreilles. Plus on va travailler sur une montre petite, et moins on va entendre ce phénomène de vibration. C'est comme un tam-tam. Si je prends un petit tam-tam et que je tape dessus, ou un gros tam-tam, et bien le petit je l'entendrai moins. Dans une montre, c'est pareil. Quand on va travailler sur les harmoniques de la répétition minute, on va s'apercevoir que la vibration du timbre va créer une ondulation de fréquence, mais qu'à l'intérieur de cette ondulation de fréquence, on va trouver des sous-fréquences. C'est ce que les musiciens appellent les harmoniques. Et ces sous-fréquences, plus il y en a, plus le son va être riche. Parce qu'on parle de richesse sonore. Et plus le son va être agréable à l'audition. Chaque personne va avoir un ressenti différent de ce qu'il entend. Que ce soit en matière d'intensité, de qualité, de richesse sonore, ces différents paramètres vont être perçus d'un individu à l'autre de manière différente. Et c'est ce qui fait aussi le charme des montres à sonnerie.